Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans le thème Harry Potter. Donc comme vous le savez, j'adore Harry Potter. Donc j'ai commencé une petite collection et je vais vous montrer tout ce que j'ai pour l'instant. Donc on va commencer avec la petite lampe Ville d'Or, comme ceci. Donc je vais la sortir. Donc je la laisse dans sa boîte parce que j'aime trop la boîte, elle est super belle. Voilà. Donc voilà, elle est comme ceci. Et quand on passe la main par-dessus, elle s'allume. Et quand on la remet, elle s'éteint. Bon, il faut la pencher et tout, mais normalement elle fait. Donc voilà pour la petite lampe. Ensuite, j'ai une petite trousse de voyage avec Neville, Ginny, Ron, Harry, Hermione, Drago et Luna. Et ici, il y a Edwige. Et derrière, il y a un grand Harry comme ça. Voilà pour la trousse. Maintenant, on va passer aux livres. Donc, j'ai pas encore tous les livres. J'aimerais tous les avoir, mais pour l'instant, j'ai du 1 au 4. Donc là, c'est Harry Potter à l'école des sorciers, le 1. Ensuite, le 2. Harry Potter et la chambre des secrets. Donc, je les ai tous lus. Le 3, c'est Harry Potter et la prison d'Azkaban. Et le prisonnier d'Azkaban. Le prisonnier d'Azkaban. Et le 4, mon préféré, Harry Potter et la coupe de feu. Celui-là, c'est le plus gros. Il y a beaucoup de pages. Voilà pour les livres. Ensuite, il y a les baguettes. Donc, j'ai la baguette d'Harry. Comme ceci. Elle est super bien faite. Ensuite, j'ai la baguette de Bellatrice. Donc, cette baguette, ce n'est pas une vraie, c'est juste une que j'ai reçue pendant un anniversaire. Mais je la mets quand même en décoration. On voit pas trop que c'est une fausse, donc ça va. Ensuite, j'ai le remonteur de temps. Qui peut se tourner dans tous les sens, comme dans le film. Avec le petit sablier. Et j'ai aussi un collier avec le vif d'or. Voilà. Et maintenant, on va passer au pop. Donc, j'ai eu un calendrier de l'avant d'Harry Potter. Donc, j'ai eu toutes les petites pop. Et j'en ai deux grandes. Donc là, j'ai Dumbledore avec ses lunettes. Comme ça. Et sa genre de robe. Et j'ai Hermione avec. Voilà Hermione. Ensuite j'ai toutes les petites pop. Donc là j'ai Dumbledore. Donc c'est toutes les pop pendant la coupe de feu, pendant le bal. Ensuite j'ai Rogue. J'ai McGonagall avec son beau chapeau, il est super bien fait. J'ai Hagrid. J'ai Cédric. J'ai Fleur. J'ai Neville. Ensuite là, j'ai Fred et George. Ensuite, j'ai deux fois Ron. Mais pas dans la même tenue. J'ai un Harry Potter comme ça. J'ai Hermione, ça c'est ma pop
préférée. Elle est super belle. J'aimerais la voir aussi en grande. Elle est magnifique. Ensuite, j'ai Drago. Et pour finir, j'ai Jimmy. Donc voilà, ici Argus avec son petit chat. Ici Victor. Ce n'est pas un de mes personnages préférés, je ne l'aime pas trop. Ensuite, il y a Parvati et Padma. Ça, c'est mes personnages que j'aime le moins. Je les trouve un peu inutiles. Et maintenant, je vais vous montrer mon objet de collection préféré. Donc, on va tout reculer. Et c'est mon choix-pot que j'ai reçu pour Saint-Nicolas. Donc je le laisse aussi dans sa boîte. Mais je vais le sortir pour vous le montrer. Donc le choix-pot, il sait parler. Il a la bouche qui bouge. Donc voilà le choix-pot. Donc on appuie ici sur le petit bouton. Il n'y a rien qui m'échappe au choix-pot. À Poudlard, j'ai toujours raison. Alors, pose-moi sur ta tête pour connaître ta maison. Serre d'aigle, griffon d'or, serpentard, oh, pouf souffle, la bigourdi, rusé, voyant. Voilà, donc à chaque fois vous devez le poser sur votre tête et vous devez le mettre dans un mode bien spécifique. Et il va vous dire dans quelle maison vous êtes. Et moi j'ai été à Poufsouf, mais il dit pas vraiment dans quelle maison, il dit une fois à chaque maison. Mais ma maison c'est quand même Gryffondor. C'est ma mère. Donc voilà pour le choix-pot. Et maintenant, je vais vous montrer tous mes habits. Donc d'abord, je vais vous montrer mon pyjama. Donc, il est comme ça. Je ne sais pas si vous allez bien voir mon pyjama, mais voilà. Déjà, si j'arrive pas à le tenir. Ouais, c'est un crop top comme ça. Donc la plupart de mes habits Harry Potter, je les achète à une brise. Et il y a le bas avec plusieurs personnages comme ceci. Donc il y a Dumbledore, Ron, Hagrid, Hermione, Luna, etc. Voilà. Et maintenant je vais vous montrer mes tenues debout pour que vous voyez mieux. Donc voilà ma première tenue. Donc d'abord il y a ici le pull avec le blason d'Harry Potter, avec toutes les maisons. Avec écrit ici Harry Potter en rouge. Celui-ci, je l'ai acheté à Primark. Ensuite, j'ai un jean de chez Undies avec encore le blason. Les trois boutons. Voilà. Pour la première tenue. Voilà la deuxième tenue. Donc ici, encore le blason des maisons. Avec ici des rayures. Le siège de chez Undies, il a un velours. Et derrière, il y a le grand blason. Comme ça. Et maintenant, je vais vous montrer mon peignoir. Voilà, donc voilà mon peignoir. Donc ici, il y a le logo Gryffondor. Et ici, il y a encore le blason Gryffondor. Voilà pour mes tenues. Donc voilà, la vidéo est terminée. Mettez en commentaire le prénom de votre personnage préféré. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, explosez le compteur des pouces bleus, activez la petite cloche. Et si ce n'est toujours pas fait, abonnez-vous. On se dit à la prochaine. Bisous.